yourself. Tout ce que tu dis. Everything that you say. Reste. Has to remain. Tout ce que tu dis. Everything that ça you say. Debout. Has to remain. On n'a pas besoin d'une imprimante. You don't need an imprimant. Non, ça c'est la technologie de Dieu. That's the technology of God. Dans le fond. In the wind, il y a quelque chose qui capte toutes tes paroles. There is something that captures all your words. Vous êtes allé les suivre. Are you following? Regardez maintenant. Look now. Tout l'armée d'Israël. All the army of Israel. C'était l'armée de Dieu. It was the army of God. Le mot même Israël. The word Israel. Ça veut dire armée de Dieu. Means the. Ça veut dire quoi? What does it mean? Tout soldat. Every soldier. Dans l'armée de Dieu. In the army of God. C'est un soldat de Dieu. It is the soldier of God. Un jour maintenant. One day. Goliath est venu. Goliath came. Contre l'armée de Dieu. Against the army of God. Pendant 40 jours. For 40 days. Il les a insultés. And he insulted them. Il a insulté leur maman. He insulted their mothers. Il a insulté leur papa. Their fathers. Il a insulté leur chien. Their dogs. Leur maison. Their houses. Leur roi. And their king. Pendant 40 jours. For 40 days. Parce que c'était l'armée de Dieu. Because it was the army of God. Tout soldat dans l'armée de Dieu. Every soldier in the army of God. Peut taper tous les soldats dans l'armée de Satan. He can beat all the soldiers in the army of Satan. C'est déjà écrit. That is already written. Maintenant. And now. Le soldat. Even the soldiers. De l'armée de Dieu. In the army of God. Ils étaient dans l'armée de Dieu. They were in the army of God. Ils ne savaient pas que cela est déjà écrit. They didn't know that that was already written. Et c'est pourquoi on les insultait. And that's why they were insulting them. On a insulté leur maman pendant 40 jours. They insulted their mothers for 40 days. Et tu vas laisser qu'on insulte ta maman pendant 40 jours. And you gonna remain that they insult your mother for 40 days. On a insulté leur papa pendant 40 jours. They insulted their father. They are God for 40 days. They are king for 40 days being insulted. And all of them, all the soldiers in the army of God, they were on the mountain. And they were looking at Goliath, the cruel. In their head, il y avait zéro parole de Dieu. There was zero word of God. Tu vas dire que oh, ils étaient soldats dans l'armée de Dieu. And you're gonna say they were soldiers in the army of God. Tu peux être enfant de Dieu. You can be a child of God. Tu peux être un chanteur dans la chorale. You can be a singer in the choir. Tu peux être un prédicateur. You can be a preacher. Si tu ne sais pas, if you don't know, Satan va venir et te taper. Yeah. Satan will come and beat si you. Si tu ne sais pas, if you don't know, Satan va venir et te taper. Satan will come and beat you. Ils étaient dans l'armée de Dieu. They were in the army of God. Ils ne savaient pas qu'il était écrit. And they didn't know that it was written. L'armée de Dieu. That the army of God. Va taper tous les armées de ce monde. It's gonna beat all the armies of this world. C'est pourquoi ils étaient en train de trembler. They were trembling. Et tous ils tremblaient. All of them were trembling. Quand David est venu. By the time David came. Parce qu'il savait ce qui était écrit. Because he knew what was written. Quand il est venu. By the time he came. Il n'est pas entré dans les débats. He didn't enter their debate. Non, ce n'était pas le temps de aux partis politiques, ceci, cela. It non. was not about political parties. Directement. Party. Immediately. On va me payer combien si je coupe sa tête? How much they will pay me if I cut off his head? Directement. Dès que Goliath apparaît directement, boum, chanda, cobre, chita. And immediately. Il est prêt d'entrer et couper sa tête. And immediately when Goliath spoke. Cinq fois, David a dit déjà à la montagne. David was ready to hit off his head. Je vais entrer, couper sa tête, donner ça aujourd'hui aux oiseaux. And he said, I'm going to come to them, cut off his et head, and give it to the bird. Il va faire ça aujourd'hui. And he said, I'm going to do it today. Et qu'est-ce que David avait fait? And what did David do? Comme il avait dit. As he said. Il est entré. He entered. Il a coupé la tête de Goliath. And he cut off the head of Goliath. Il a donné ça aux oiseaux. And he gave it to the bird. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? David a pris le bic. He took a pen. Et il a écrit sa propre vie. And he wrote his own life. Tu peux écrire ta vie. You can write your life. Et tout le monde est en train de trembler. As everyone is still trembling, tu peux écrire ta propre vie. You can write your life. À partir d'aujourd'hui, from today, tu n'as pas besoin de permission. You don't need permission. No, no. Tu n'as pas besoin de permission. You don't need anyone permission. L'esprit de Dieu. The spirit of God. Quand cela vient sur toi, as it come upon c'est you, c'est pour que tu puisses écrire ta vie. It is for you to write your life. Dieu aujourd'hui, God today, ne va forcer personne. He's not there to force anybody. Dieu ne force plus les gens. He does not force non. people. Dieu est là, oh, no, 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 no. He does no, not come no. as a dictator. Dieu
God, c'est la prédication. It is the preaching. Dieu, God, c'est la parole. It is the word. Tout ce que Dieu peut faire pour toi. Everything that God can do for you. Il fait ça par la prédication. He does it through preaching. La prédication, c'est une parole de Dieu qui vient sur toi. The preaching is the word that comes through you, God. Pour te faire réfléchir d'une façon que tu n'as jamais réfléchi avant. It is a way of making you to think the way you never think before. Et quand tu réfléchis comme ça, and as you think in that manner, le feu commence à brûler sur ta tête. And fire will start burning upon your head. Il y a déjà un feu en toi. Because there is already fire inside you. C'est déjà écrit. It was already written que l'esprit, that the spirit, qui a ressuscité Jésus, that resurrected Christ, est un esprit qui tourne déjà en nous. It is the spirit that is already écrit. It is already written. Pas quelque chose. It is not something qu'on va écrire aujourd'hui. That they will write today. Après une semaine de prière, de jeûne. No. After a week of prayer c'est and supplication. C'est déjà écrit. That is already written. C'est à nous. It is for us. D'appuyer le bouton. To press the button. Boom, boom. Yes. Et le feu brûle en nous. And the fire will come up. Si tu n'appuies pas le bouton, if you don't press the button, il y a rien que un prédicateur peut faire pour toi. There is nothing that a preacher can do for you. Impossible. It is impossible. Le prédicateur, the preacher, ne peut se mettre seulement ici. He can only come here, blam 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 blam, and say ba ba ba. Et le reste, and the rest, c'est à toi de faire ça. Boom. It is for you to boom do the boom in your heart. Tu vas prendre la parole, and you're gonna take the word, et forcer ça dans ton cœur, and force it in your heart. Ça, c'est ta responsabilité. That is your responsibility. Imaginez-vous que, imagine, Pharaon est venu contre Moïse. Pharaoh came against Moses. Avec toute son armée. With all his army. Moïse. And Moses. Parce qu'il y avait les gens qui. Because there were so many people il talking. Il a commencé à oublier sa position du roi. He started forgetting his place of a king. Et lui aussi trop Dieu. And he started God, God. Mais dis-le, oh ça m'a quitté. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? And God said, you are making noise. What is in your hand? Bâton. And he said, there is a staff. Utilise le bâton. And he said, use the staff. Quand Dieu a donné le bâton là à Moïse. By the time God gave Moses the staff. Il lui a donné ça pour utiliser. Yes. He gave him for him to use. La position. The position. Que tu as en Jésus. That you have in Christ. C'est une position pour toi pour utiliser. It is a position for you to use. Chaque fois. Every time. Dès que tu te réveilles le matin. By the time you wake up in the morning. Rappelle-toi à toi. Remind yourself enfant de Dieu. That you are a child of God. C'est ta responsabilité. It is your responsibility. Les pasteurs ne peuvent pas venir chez toi le matin. Oh, lève-toi. Ok, on va commencer. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis en répète. Non, 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 non. The pastor can never come to your house and make you repeat. Tu te réveilles le matin pour te rappeler que tu es enfant de Dieu. You wake up in the morning and remember you are a child of God. Parce que because tu peux oublier. Because you can forget. Bien que c'est écrit que tu es enfant de Dieu. Even though it is written, tu peux oublier. You can forget. Quand tu oublies, when you forget, on peut bien te taper les gifles. They can really beat you nicely. Vous êtes allé les suivre. Yeah. Are you following? Quand tu oublies que tu es enfant de Dieu, if you forget that you're a child of God, les démons vont venir. The demons will come et fermer ta cuisine. And they're gonna close your kitchen. C'est pourquoi la Bible dit. That's what the Bible says. J'ai vu une folie. I have seen a foolishness. Que le prince marche à pied. That the prince walk barefoot. Et les esclaves sont sur les chevaux. And the slaves are on the horses. Pourquoi? Why? Parce que le prince ont oublié. Because the princes forgot. La Bible dit. The Bible says. Quand un prince. When a prince. Est encore bébé. When he's still a child. Il joue avec les esclaves. He always play with the slaves. Tu vas voir. You can see. Que l'enfant est l'enfant du roi. A child of a king. Parce qu'il est encore bébé. Because he's still a child. Il va jouer avec les travailleurs. He will go and play with the workers. Les enfants des travailleurs. The kids of the workers. Et vous savez quoi? L'enfant du travailleur. And the child of the worker. Va dire au prince. And he's gonna tell the prince. Allez, fais chez moi. Oh, do this. Et le prince, il fait comme ça. L'enfant de l'esclave monte sur son défait. Cheval. Le prince est en train de porter l'esclave. And the child of a slave will tell the prince, vous make yourself as a horse. C'est ce qui se passe avec nous. That is what is happening in c'est our lives. C'est ce qui se passe avec l'église. That is what is happening in the church. Quand tu es encore enfant, when you are still a child, les choses vont venir te taper les gifles. Things will come and beat you. Les petits démons, the small demons, qui ne pouvaient pas entrer dans ta maison, those who could not penetrate in your house, entrer même dormir dans ton lit. They're gonna enter and sleep on your bed. Pourquoi? Why? Tu es un prince. Because you're a prince. Tu
Tu es une princesse. You are a princess. Mais tu es encore un bébé. But you are still a baby. Ce n'est pas que la puissance de Dieu n'est pas là. It is not that the power of God is not there. La puissance de Dieu est là. The power of God is there. Il y a tout un feu de Dieu en toi. There is a fire of God in you. Mais tu ne sais pas comment appuyer le bouton. But you don't know how to press the button. Et je crois que cette semaine, and I know this week, avant que la semaine termine, before the week will end, tu sauras comment appuyer le bouton. You will know how to press the button. C'est là ton tour. It's gonna be your turn. Tu appuies le bouton. That you press the button. Tu te transformes en Superman. And you're gonna transform yourself to Superman. And you're gonna beat all the demons. La parole de Dieu. The word of God. N'est pas difficile à comprendre. It is not difficult for you to understand. David était un bébé. David was a child. Et tout ce qu'il avait compris de la parole de Dieu. And everything that he understood of the word. C'était petit comme ça. It was so small. C'était petit comme it ça. It was so small. Depuis les jours que Samuel avait mis l'huile sur ta tête. Since the day someone put him on the head. Tout ce que lui disait que oh, je suis loin, je suis loin, je suis loin. Since the day someone put on the head. Quand ses frères lui disaient que oh, toi tu es sale, va jouer avec les boutons. Je suis loin, je suis loin, je he suis he always goes about and say, I am anointed, I'm anointed. Je suis le loin de Dieu. He always goes and say, I'm anointed. Même quand on lui disait que toi, tu n'aimais pas le fils de notre maman. Even though they say, you are not a child of our mother. Je suis le loin de Dieu. Jacob said, I'm an anointed of il God. Il s'est répété ça. He always repeats that. Saul. Saul. N'a pas fait ça. He didn't do that. Même prophète. The same prophet. Le prophète qui avait mis l'huile sur la tête de David. Even the prophet that put oil upon David. Et le prophète qui a mis l'huile sur la tête de Saul. It is the same one that anointed Saul. 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 Quand il a quitté son église là. By the time he left the church. Il a oublié qu'il était même à l'église. He forgot that he was even in mais the church. David, but David. Quand même il dormait dans la brousse. Even when he was sleeping in the bush. Je suis le loin de Dieu. He said, I'm an anointed of God. Je suis le loin de Dieu. I am an anointed of God. Avec moi. Repeat je with suis me. Le loin de Dieu. I am an anointed of God. Quand tu dis seulement ça, as you say that, tu sens que quelque chose. And you feel something inside you. Dis ça une fois seulement. Because you say that only imagine one time. Que tu dis ça mille fois. Imagine if you could say that 1,000 times. Je suis le loin de Dieu. I am an anointed of God. Toi-même, tu verras un feu sur ta tête. You will see fire upon your head. Parce que because on n'a pas répété la parole de Dieu. Because we do not repeat the word of God. La parole de Dieu peut être bonne. The word of God can be good. Mais quand c'est dans ce livre-là, but when it's still in the book, et mon livre est en train de prendre la poussière, and my book is taking dust, la parole de Dieu ne va pas s'élever, the word will never stand, et combattre pour moi. And start fight for me. Je dois connaître la parole. I have to know the word. Et c'est ça qui fait la force. And that's what makes your power. David lui disait. And David was saying. On a mis un peu l'huile sur sa tête. They poured oil upon his head. Mais dans la chanson. But in the song. Quand c'était le temps pour David de écrire sa vie. By the time it was for David to write about his life. Dit, he said. Il a mis l'huile sur ma tête. He anointed my head with oil. Ma coupe de porte. My cup ran over. Les frères peuvent dire, oh David, tu nous manques. On était là. The brother will tell you no. On a mis ses mains perdues comme ça. We saw the put on the small oil. Ça, c'est ce que vous avez vu. He said that's what you saw. Moi, je multiplie ce que je vu. Me, I'm multiplying et what I've seen. Il écrivait sa propre vie. He was writing his own life. Alors, toi, that's you. Tu dois écrire ta propre vie. You have to write your own life. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus Christ. The day you gave your life to Jesus Christ. Toutes les choses passées étaient passées. All the things passed away. C'était passé, passé, passé. They're all past. Maintenant, ta vie était devenue blanche. And your life became new. Un cahier blanc. A white book. Pour que tu puisses écrire de nouvelles choses. Pour for you to write new things about c'est your ça, life. Le travail de l'Esprit de Dieu sur toi. That is a work of the Holy Ghost in you. L'Esprit de Dieu vient sur toi. The Holy Ghost come upon you. Et il veut que tu puisses répéter. And he wants you to repeat. Et tu dois dire. And you have to say. Dire. Say. La vie de Dieu. The work of et God. C'est quand la vie de Dieu là. When the life of God. Va se produire sur toi. Has to product in quand you. Quand tu dis. When you say. J'ai. La vie de Dieu. I have the life of God. Toute chose. Everything. Qui est de la vie de Satan. That is of life of Satan. Va fuir et te laisser. Is gonna run away from you. Vous êtes allé le suivre. Are you following? Parce que. Because. C'est ce qu'on appelle la parole. That's what we call the word. La parole de Dieu. The word of God. Dieu. God. A déjà dit.
has said already. Les bonnes choses pour toi. All the good things about you. Dieu a déjà dit les bonnes choses sur toi. God has already said all the good things about you. Toi maintenant. And you now. Tu dois faire comme ça. You have to do a move. Et entrer en esprit. And enter in the spirit. Pour voir les bonnes choses que Dieu a dit sur toi. For you to see all the good things that God has spoken. Sur ta maison. About your life. Sur ta famille. About your house and your family. Et quand tu entres en esprit, tu vois ces bonnes choses là. And as you enter in the realm of the spirit and see. Tu les prends et tu la mets dans cette vie. And you take and you put in your life. Boom. Boom. Et ça devient ta vie. And it became your life. Vous êtes en train de suivre. Are you following? Et ça, c'est le système technique de la parole de Dieu. And that is a technical system of the word of God. Quand tu comprends que c'est les choses sont comme ça. When you understand that things are this way. Quand les démons. When the demons. Les sorciers. The sorcerers. Voudront venir écrire la maladie pour toi. They can come and write a sickness about you. Toi, tu peux écrire pour toi-même que moi. Je ne peux pas tomber malade. You can write me, I will never fall sick. Tu es autorisé par Dieu. You are authorized by God. Si tu ne dis pas ça, if you don't say that, tu es en train de répéter ce que les sorciers ont dit. You are repeating what the sorcerers said. Si les sorciers de ta famille, if the sorcerers of your family, disent sur toi maladie, 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 they say sickness, sickness, sickness. Et toi aussi tu viens, oh, un peu malade, un peu malade, un peu malade. And you come and you say I'm a little bit sick. En train d'accepter ce qu'ils ont écrit sur toi. You are accepting what they wrote about et you. Et cela devient ta vie. And that becomes your life. J'ai commencé en disant que. I started by saying. Rien n'est écrit. Nothing is written. Le cahier est vide. The book is empty. Ta vie.